Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et là, petite dégustation d'insectes. On va déguster des insectes. Donc il y a trois types d'insectes, d'accord? Parce que moi c'est moi qui les ai commandés, c'est pas ce qu'on a commandé. Il y a trois types d'insectes, je vais pas les dire tout de suite mais il y en a trois, plus des biscuits. Donc on va commencer par les biscuits. Les biscuits? Ouais, attends, je vais pas te spoiler le truc. En fait c'est des biscuits aux insectes. C'est une blague? Non. C'est des biscuits faits à base d'insectes, je dis pas de bêtises. Ok. Est-ce que certains ont déjà mangé des insectes? Les biscuits ici, ils sont faits à base de verre de farine. C'est pas des trucs de chien ça? Non, c'est pas des trucs de chien. On dirait des friandises. Donc, voilà, je suis une make-up youtubeuse. Et donc, on va commencer tout simplement par ça. J'ai peur. Donc là, petite dégustation. Déjà, on dirait un biscuit de chien, je trouve. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand c'est déballé. Et là dedans, bon, en fait. Désolé, mes ongles ils sont dégueulasses. Et là dedans, il y a du verre de farine. On trave. Allez, on trave. Chin-chin. C'est pas dégueu. T'en penses quoi? Bah, c'est un biscuit quoi. Un biscuit. Un biscuit apéro. Mais je sens qu'il y a. Non, tu sens pas. Ouais, regarde, il y a rien. Si on ne me dit pas qu'il y a des insectes dedans, il y a... Impossible de deviner. Ouais, il n'y a aucun truc. On passe au premier insecte. Donc, dans ce biscuit, il y avait du verre de farine. Et je vais te montrer ce qu'il y avait dedans. Dans ce petit biscuit, il y avait ça, en fait. Ouais, je l'ai pris au rayon animal, lézard et tout. Donc... Attends. Faut que je... Tu vois? Regardez, je vais vous montrer. Le bébé, c'est mort. Bah oui, c'est mort. C'est séché. Et donc, là-dedans, hop, oh. Tu le prends. Regardez. J'ai peur. T'es prête? On goûte en même temps? Pourquoi il bouge, celui-là? Non, je rigole. C'est pas vrai. Vas-y. À trois, prends J'ai un. J'ai peur. Mais non, prends un, vas-y. On dirait qu'il bouge un peu, ouais. Chin chin. Un con. On dirait c'est vide. On dirait pas c'est vide, y'a rien. Ouais, c'est creux. On dirait c'est vide quand vous le mangez, y'a. Y'a genre, y'a juste en substance. On dirait que l'intérieur, y'a rien du tout. Ça n'a même pas de goût. Enfin, si, ça a un petit goût, mais. Un petit goût de grillé, parce que bah, je pense que ça a été grillé, c'est logique. En vrai, c'est pas dégueu. Donc là, je vous montre. C'est quoi? Là-dedans, y'a un. Les ténébrions. Je sais même pas ce que c'est. C'est comme du cafard. Non. Si, c'est... Je mange pas ça. Non. C'est comme du cafard. Non. Là, on va goûter et vous montrer. Regarde. Ah! Regardez à quoi ça ressemble. On voit bien la bête. T'es prête? Là, il faut enlever les pattes et les ailes, sinon tu risques de mourir. Tu te moques de moi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas bon parce que ça peut rester bloqué dans ta gorge. Les pattes et les ailes. Tu peux mieux faire, s'il te plaît. Ah, je rigole, ça va. Regardez, on voit ses yeux. Attends, c'est où là? Vous voyez qu'on voit ses yeux? Ça veut dire qu'on va manger ses yeux? Oui. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est sûr, dans la recette, il y a marqué que ça a été revenu avec un peu d'huile d'olive. Voilà. On trinque? Allez, on trinque. Tchin tchin. T'es prête? Oh, ça croustille de ouf sur la dent, celui-là. Tu dis que tu manges des insectes ou pas, là? C'est dégueulasse, ça, ouais. Il me sent pas bien. Lui, il y a plus de croustillant dans la bouche, lui, ouais. Mais oh. Je peux pas remanger, lui. Non, lui, il a un goût. Ah. Bark. Non, lui, il est pas bon. Vrai, lui, il a un goût chelou. Dégueulasse. Il est dégueulasse, totalement dégueulasse. Ça s'appelle comment déjà ça? Des ténébrions. Lui, c'est le plus fat, le plus gros. Ferme tes yeux. Non, j'ai très peur. Ferme tes yeux. Lui, c'est le plus gros. Il est immense. Attends, d'abord je le déballe et après tu ouvres tes yeux et tu le vois en live, devant toi, posé. Et donc en fait, j'ai acheté ça chez Minus Farm et c'est un truc spécial insecte comestible pour humains. Parce que oui, apparemment, il y a des humains qui mangent des insectes, comme nous. Ferme les yeux. Enfin, nous, c'est bon. Vas-y. Tu me l'as pas mis. Non, je l'ai mis devant toi. Je peux ouvrir? Attends, je le montre un petit peu mieux. Là, sans sachet, regardez. Même moi, vrai, ça me fait quelque chose quand je le vois. Sérieusement? Ouais. Jure? Ouais, je te jure. Vas-y, tu peux ouvrir.
Analyse-le, regarde-le. C'est quoi? C'est un grillon comme une sauterelle. Mais c'est très grand. Bah ouais, il faut que t'enlèves les ailes. Non, mais je mange pas ça. Si, si, tu vas le goûter. Bah si, c'est le but de la vidéo. Mais t'as vu comme c'est grand? C'est le but de la vidéo. Oh arrête, arrête, arrête. Alors, attends. Donc, il faut enlever les ailes. Là, j'ai enlevé une aile. Ça me dégoûte. Regardez comment ça craque. Deuxième aile. Ça, ça va être... Il t'enlève les pattes qui restent. Mais regarde, j'ai l'impression que ça, qu'il n'y a rien dedans. C'est vide, genre. Je sais pas ouais, si vous voyez à travers. Je sais pas si vous voyez. Là, là. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'on voit à travers. Putain, je le touche, quoi. Ça me dégoûte. Et là, comme pour l'autre, là, on voit les yeux. Hein. C'est dégueulasse. T'es prête? Allez, je vais t'enlever les tiens. T'as déjà mangé ça? Non, jamais. J'ai déjà mangé des vers de farine, mais jamais d'autres insectes. C'est ça, le combien? Ouais, c'est ça. C'est bon? On trinque? Je l'ai bien enlevé là. Oui, c'est bon. Chin-chin. Tout d'un coup. Un. Non, deux. Toi d'abord, tu me dis. Non, en même temps, comme ça on voit la réaction de l'autre. Un, deux, trois. Mais c'est encore mieux, je veux le recracher. Je veux le recracher. Non! Tu le manges! Tu le manges! Mange-le! Il est dégueulasse! Il est dégueulasse! Il est dégueulasse, hein. Même moi, il n'arrive pas. Crac, crac, crac. Ah, c'est dégueulasse. Il est horrible. Ah, il est désolé. Horrible. C'est pas très glamour, mais... Ah, il est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Tu préfères lequel? Entre les trois, entre la sauterelle, le grillon ou le ver? Bah, mille fois les vers. Top 1 le vert. Ouais, lui, après lui. Le plus, du plus petit au plus grand. Ouais, en fait. C'est ça. Et lui, il est juste dégueulasse. Oh la merde, il est juste dégueulasse. Il est juste horrible celui-là. C'est tout laisse. Bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se dit à une prochaine vidéo pour une autre ouais. Dégustation. Si vous avez des idées de dégustation, vous les mettez en commentaire et on essaiera de les faire. Ok? Bisous, bisous, on vous embrasse. Ciao, à ciao. Bientôt.